Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'embarque avec moi sur le vélo lors de mes sorties. Donc que ce soit dans mes poches de jersey ou dans ma sacoche de sel. Allez, on va commencer par la sacoche de sel. J'utilise une sacoche de sel pro qui est taille M, donc moyenne, et qui me permet d'avoir tout ce qu'il faut sur moi en cas de crevaison ou de soucis techniques. Hop, donc un multitool, deux démonte-pneus, une cartouche de CO2 et l'embout qui va avec, et évidemment une chambre à air. Donc tout ça, ça rentre tout juste dans la sacoche de sel. C'est vraiment super pratique, on oublie qu'elle est là et elle peut être vraiment très utile en cas de souci. Personnellement, une seule chambre à air de secours me suffit. Ça fait plus d'un an que j'ai pas crevé, je crève quasiment jamais. Par contre, si vous êtes du genre à beaucoup crever, n'hésitez pas à prendre deux chambres à air et deux cartouches de CO2. Après, c'est sûr qu'il faut une sacoche plus grosse et qui sera donc plus lourde. Ok, maintenant, passons aux poches de mon jersey. Tout d'abord, ma poche de gauche. Toujours ma petite GoPro que j'ai toujours dans ma poche. Ça prend pas trop de place, c'est pas très lourd et ça peut être vraiment utile. J'ai aussi toujours un mouchoir. Alors oui, je me mouche sur le vélo. Je sais me moucher comme une cycliste, sauf que j'aime pas du tout ça, ça ne me convient pas. Poche du milieu, le reste du paquet de mouchoirs. Et surtout, le téléphone. Sur ma poche de droite, donc j'ai la chance d'avoir une petite poche qui se referme à l'aide d'un zip. Super pratique pour les clés. Toujours dans la poche zippée pour être sûr de ne pas les perdre. Dans le reste de la poche droite, j'ai une barre de céréales et un gel. Dès qu'une sortie fait plus de 50 ou 60 km, je prévois de quoi manger, même si au final je ne consomme pas toujours tout ce que j'ai pris. Mais bon, ça prend pas beaucoup de place et ça peut nous éviter un gros coup de barre qui rendrait le retour à la maison un peu compliqué. Donc pour résumer, voilà tout ce qui se trouve dans les poches de mon jersey. Et voici donc ce que j'embarque dans ma sacoche de sel. N'hésitez pas à me dire ce que vous embarquez sur le vélo, que ce soit dans vos poches ou dans votre sacoche de sel. Dites-moi si vous pensez que j'oublie quelque chose d'absolument essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.